je suis à Encarté à la section de Morlaix, parti communiste. Bon, première question, sur l'intervention de la camarade, il y a quelque chose qui m'a fait une sorte de blocage, c'est d'entendre parler d'un rassemblement large avec une possible alliance avec Hamon, pour moi c'est le Parti Socialiste. Et ça franchement, Yann Brossin nous a dit, on a une très belle liste avec des gens qu'il faut qu'ils soient élus, à mon avis ce serait un très mauvais choix si on veut que ces gens-là soient élus. Donc y compris, je le dis franchement, que si on fait une liste où serait de fait sur nos tracts, notre campagne, on verrait apparaître le sigle de François de Hamon Génération, je pense qu'on se déconsidérerait gravement. Moi, c'est mon opinion, donc je le dis. Je ne sais pas si à ce moment-là, je ferai le choix de la liste. Franchement, j'irai jusque-là, parce que j'ai une colère profonde contre la trahison qu'a représentée, et pas seulement du côté de Hollande, mais bien avant le Parti Socialiste, et je trouve que c'est une compromission qui, pour moi, est infranchissable. Voilà. Maintenant, sur la campagne des Européennes, deux remarques. L'une, on a tendance à dire que Macron et les multinationales et tout, vivent en dehors du temps, comme si ils étaient innocents. Moi, je trouve que des gens comme Macron, comme le Capital, ils sont missionnés, ils savent très bien ce qu'ils font. Et je pense qu'il faudrait éviter des mots comme quoi Macron n'aurait pas conscience parce qu'il vivrait dans son monde et tout. Non, non. À mon avis, il remplit une mission. Il est l'émissaire des banques. Il est l'émissaire des gens comme Denis Kessler qui, clairement, avait dit en son temps qu'il fallait casser les acquis de 36 du Conseil de la Résistance. Et ces gens-là, je ne leur ferai pas le crédit. Et je pense qu'il faut le faire apparaître dans, c'est ma conviction, dans nos dialogues. Ce ne sont pas des gens qui font les choses par inconscience. On en prend plein la gueule parce que c'est comme ça qu'ils veulent que ça soit. Et c'est la réalité de leur politique. Et je pense qu'il ne faut pas avoir des paroles ou des définitions qui les excusent. Voilà, il y avait un dernier truc. Oui, considérant l'Europe, j'espère que je fais confiance à Yann, que j'ai vu à la télévision, j'ai apprécié tes interventions, elles ont valu plus, c'est bien. Qu'on aura une liste, un dialogue qui sera offensif. Et j'ose espérer que dans le futur, qui ne s'est pas déjà embrayé d'ailleurs, qu'on pourra annoncer en étant porteur d'espoir envers les pays d'Europe du Sud, la création d'une coalition, on va dire, des partis de la vraie gauche, ou des gens qui sont défavorables à cette Europe du fric, et qu'on travaillerait à des contre-propositions sérieuses au traité européen. Des propositions qui seraient une alternative, et qui, à mon avis, seraient porteuses d'espoir. En tant qu'avancée, c'est quelque chose dont peut-être ça existe déjà parce que je sais qu'il y a des rencontres au niveau de l'Europe, mais l'annoncer, le faire avancer, dire qu'on y travaille, à mon avis, porterait beaucoup d'espoir parce que on sait que dans les pays du sud d'Europe, il y a une Europe du Nord, il y a une Europe du Sud, et il y a quelque chose qu'on pourrait faire pour s'opposer plus fortement. Voilà, merci, c'est tout. Ah ben vous pouvez passer directement. Merci. Du coup, moi, je vais poser trois questions, enfin deux questions surtout, mais surtout dans vos trois interventions, je trouvais ça intéressant. Mais ce que j'aimerais bien entendre plus, un peu plus, on parlait de Hamon, effectivement, qui avait soutenu Maastricht. Jadot, il a soutenu le TCE, c'est encore pire. Et du coup, par contre, les écolos, pour l'instant, ils sont dans une situation, au point de vue des sondages, bien devant nous. Et je trouve que dans les discours, on entend beaucoup de discours qui sont très bien sur la question, effectivement, de la parole populaire, du soutien, etc. Mais
sur la question écologique, il y a un gros problème parce que vous parlez de service public. Vous ne dites pas pourquoi le train, en quoi le train ça peut nous aider du point de vue de la transition écologique. Et ça, il faut vraiment qu'on insiste là-dessus, même quand Yann est à la télé, on ne parle pas assez de ça. Et ça, c'est un gros problème, franchement. Ça, c'est un gros problème, et c'est là-dessus. Enfin, moi, j'essaie de gagner des voix une par une comme vous dites. Mais ce qu'on sort, c'est les écolos pour l'instant. Parce que justement, il y a ce gros flic sur la question de la planète, etc. La situation de la planète aussi. Donc voilà, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est sur la question du dernier traumatisme qu'il y a eu quand un peuple s'est levé contre l'Europe libérale, c'est la Grèce. Et la Grèce, Tsipras, voilà. Tsipras, les camarades du parti étaient en train de le soutenir, Mélenchon soutenait, on voyait Pierre avec Tsipras, etc. Voilà. Et puis après, ce qui s'est passé après en 2015. Donc c'est aussi cette question-là de... C'est comment on peut concrètement dire aux gens, au-delà de ce que... on peut s'en sortir, et on peut s'en sortir comme ça, de façon réaliste et à moyen terme. Voilà, c'est les deux questions où je voulais juste que vous insistiez peut-être un peu plus sur la question écologique et dire en quoi, maintenant, il y a une totale unité entre le social, la révolution sociale et la révolution écologique. Il faut qu'on en parle beaucoup plus. Voilà, merci. Merci d'être venu. Merci d'être venu jusqu'ici. Et moi, j'ai un éclairage. Il y a une mesure qui me fait peur, en fait, dans votre programme, parce que j'ai l'habitude, notamment avec le traité de Maastricht, on en parlait, d'avoir, on nous a vendu des belles mesures, et puis là, ça s'est révélé catastrophique. Et donc, de parler de SMIC européen, parfait, mais en Allemagne, le SMIC, il a combien? Il a 600 euros. Donc moi, cette mesure, elle me semble quand même assez libérale. Donc est-ce qu'il n'y a pas eu un problème, je vous aurais glissé une mauvaise idée dans votre programme? Il y a aussi peut-être un souci, si jamais ce SMIC passe, et que finalement, il est nivelé par le bas. Il risque d'être le cas, vu les gens qui gouvernent et qui dirigent pour l'instant l'Europe. Réponds tout de suite, Yann, s'il vous plaît. Ça va? Ouais. Je préfère répondre tout de suite parce que sinon... Soit on oublie les questions, soit on donne l'impression d'en prendre plusieurs pour fuir certaines réponses. Donc je préfère répondre à tout. Bon, d'abord, peut-être tout de suite sur la question du SMIC européen. C'est comme l'histoire de l'harmonisation fiscale. Parce qu'on pourrait nous dire la même chose. Si on harmonise fiscalement l'impôt sur les sociétés, enfin la fiscalité des entreprises... Si c'est pour s'harmoniser sur l'Irlande, ça veut dire que toute l'Union européenne deviendra un gigantesque paradis fiscal. Or nous ne plaidons pas pour le paradis fiscal, nous plaidons pour le paradis social. Donc ce serait contradictoire. Évidemment que le SMIC européen, ça n'a de sens que si c'est pour aligner par le haut. Je disais en tenant compte du niveau des prix de chaque pays, bien sûr. Mais à condition d'harmoniser par le haut, sinon évidemment c'est complètement débile. D'ailleurs, au passage, c'est pas la France qui a le SMIC le plus élevé, hein. C'est le Luxembourg, qui cumule deux records. C'est le pays dans lequel il y a la fiscalité la plus basse et le pays dans lequel le SMIC est le plus haut. Donc, je propose pas de s'aligner sur leur fiscalité, mais en revanche, si on s'alignait sur leur SMIC, ce serait pas mal. D'ailleurs, c'est quand même pas un hasard s'il y a autant de Français qui vont travailler au Luxembourg quand ils sont en zone frontalière. Non, mais plus sérieusement... Un SMIC européen, je le disais à moyen terme précisément pour ça, ça n'a de sens que si c'est pour le tirer vers le haut. Sinon, évidemment, ça n'est pas possible. Deuxièmement, sur la question de nos alliés de l'Europe du Sud. Aujourd'hui, Macron est complètement obsédé par le couple franco-allemand. Et toute notre stratégie consiste à ne regarder que du côté de l'Allemagne.
Or, je suis quand même frappé par une chose, c'est que là où il se passe des choses intéressantes en ce moment, c'est du côté de l'Europe du Sud. C'est du côté de l'Espagne. C'est du côté du Portugal, où on a des gouvernements de gauche soutenus par des communistes, par des partis de la gauche radicale, qui mènent des politiques qui sont complètement opposées aux recommandations de la Commission européenne. Ils ont augmenté le SMIC, pour le coup. Alors, c'est vrai qu'ils partaient de très bas, mais enfin, ils ont augmenté le SMIC, ils ont augmenté les retraites, ils ont augmenté les allocations familiales, et le résultat de tout ça, c'est qu'ils ont plus de croissance que nous, que le chômage chez eux baisse, alors que chez nous, il reste à un niveau très élevé. Et donc, de ce point de vue, ce serait une très bonne source d'inspiration. Et je trouve que c'est quand même une leçon pour nous tous. Parce que la Commission européenne, quand ces pays ont décidé de ne pas appliquer ces recommandations, la Commission européenne leur a tapé sur les doigts. Ils ont tapé sur les doigts du gouvernement espagnol et du gouvernement portugais. Le gouvernement espagnol et le gouvernement portugais n'ont pas cédé. Ils ont fait le choix de poursuivre leur politique. Ils ne sont même pas sortis de l'Union européenne. Ils n'ont même pas menacé de sortir de l'Union européenne. Ils ont dit « on a été élus pour mener cette politique-là ». Donc ce n'est pas en accord avec les recommandations de la Commission européenne, mais on le fait quand même. Ben, ils ont eu raison. Ils ont eu raison. Alors, ça nous renvoie à la question de la Grèce. La Grèce ne pouvait sans doute pas faire la même chose. Parce que la Grèce était en vérité criblée de dettes. Bien plus que nous d'ailleurs. Et un pays beaucoup plus fragile que la France ou même que l'Espagne ou le Portugal. Donc je ne dis pas que la Grèce aurait pu résoudre son problème. Moi je ne fais pas partie de ceux... Alors, je ne suis pas là pour défendre Tsipras. Mais je ne suis pas là non plus pour dire c'est un naze et nous on aurait fait mieux. Je sais en revanche une chose. C'est qu'il n'a absolument pas bénéficié d'une solidarité de la part des autres pays de l'Union européenne. Et y compris de la France, y compris Hollande qui s'est à l'époque baladé en faisant croire qu'il était le grand sauveur de la Grèce. Pas du tout. Il n'y a eu aucune espèce de solidarité, ni de la France, ni d'aucun autre pays de l'Union européenne. On a laissé la Commission européenne, enfin les Allemands en l'occurrence, étrangler complètement la Grèce. Donc la vraie question qui est posée du coup... C'est comment on réoriente complètement cette Union européenne. Et je suis quand même convaincu qu'un pays comme la France, a fortiori soutenu par l'Espagne et le Portugal, qui justement développent d'autres politiques en ce moment, serait capable de peser bien plus que ne le pouvait la Grèce toute seule criblée de dettes à l'époque. C'est une question de rapport de force. Une dernière chose. Non, deux choses. L'écologie. Tu as raison, complètement raison. D'autant que il y a une prise de conscience de plus en plus forte dans notre pays que l'exigence écologique et que les logiques capitalistes, les logiques du profit sont complètement antinomiques. D'ailleurs, ce qu'a dit en partant Nicolas Hulot, c'était exactement ça. Il l'a dit avec ses mots. Il a parlé du poids des lobbies. Mais enfin, c'est quoi le poids des lobbies ? Si ce n'est les logiques financières. Il a dit, on ne peut pas à la fois poursuivre l'objectif de satisfaire les lobbies financiers et dans le même temps répondre à l'impératif écologique. Donc, le combat social et le combat écolo, ce sont des combats à mener ensemble. Un exemple tout simple. Un sujet dont on ne parle pas assez. La question de la rénovation énergétique des bâtiments. 40% des dépenses énergétiques sont liées à la mauvaise isolation des bâtiments. Le logement et les bâtiments d'activité. 40% des dépenses énergétiques, ce sont les bâtiments. Or, que fait le gouvernement en ce moment ? Petit exemple tout simple, il supprime le crédit d'impôt pour changer ses fenêtres et les transformer en double vitrage. Donc, le gouvernement a de ce point de vue tout faux. Nous disons par exemple, il faudrait mettre en place... un service public européen de la rénovation énergétique. Et on pourrait même imaginer que la Banque Centrale Européenne, plutôt que d'aller filer son argent aux banques sans aucune espèce de contrepartie, puisse alimenter un fonds qui permette la mise en place de ce service public de la rénovation énergétique. Et quand on fait ça, quand on fait la rénovation énergétique des bâtiments, je le vis comme élu en charge du logement à Paris, quand on fait ça, on fait quelque chose qui est bon pour l'écologie parce qu'on diminue la dépense énergétique, les bâtiments sont mieux isolés,
mais on rend aussi un grand service aux familles modestes, parce qu'on réduit les charges, et donc on réduit la facture. Et donc on fait de l'écologie qui est une écologie sociale, et non pas une écologie qui est un prétexte pour taper dans la poche des familles modestes en augmentant, par exemple, la taxe sur les carburants. Donc ça, c'est à mon avis un sujet qu'il faut développer tout au long de la campagne. Dernière question sur la question du rassemblement. La question que posait le camarade sur Benoît Hamon et Génération. Moi, je dis la chose suivante. D'abord, il y a le contenu qu'on porte. Et le contenu qu'on porte, c'est la rupture avec les traités européens. Il n'y a pas de rassemblement possible avec personne sans cette exigence fondamentale qui est la rupture avec les traités européens. Parce qu'il y a des gens qui continuent à nous dire qu'on peut construire l'Europe sociale avec des traités européens libéraux. Ça fait 20 ans qu'ils disent ça. On regarde le bilan aujourd'hui. Ils ont menti. Ils ont menti. Non mais quand j'ai même vu que Ségolène Royal envisageait d'être candidate aux élections européennes, moi je me suis souvenu de ce qu'elle disait au moment du traité constitutionnel européen. Je me souviens, c'est une belle victoire 2005. On avait gagné. À l'époque, elle faisait le tour des plateaux de télé pour expliquer que grâce au traité constitutionnel européen, on allait sauver les services publics. La belle affaire. Donc, il n'y aura pas d'alliance des communistes avec des gens qui vont nous expliquer que les traités européens sont la cinquième merveille du monde. Donc, le préalable, de toute façon, à toute espèce de rassemblement, c'est la rupture avec la logique des traités européens actuels. Fondamentale. Après, disons la vérité. Nous avons aujourd'hui lancé notre liste. On mène une belle campagne. Et donc, de toute façon, nous, aujourd'hui, nous sommes dans une dynamique qui vise à poursuivre cette campagne. Si d'autres souhaitent venir derrière nous, on en discutera. Mais aujourd'hui, nous sommes en campagne. Et moi, j'insiste là-dessus. Aujourd'hui, l'heure, elle est à chercher les voix une à une sur la base de ce que nous disons et sur la base de ce que nous sommes avec la liste que nous avons constituée. Donc, tous en campagne, et je suis convaincu qu'on peut faire un très beau résultat. Je ne sais pas où atterrit le micro. Oui, bonjour Thierry Gouy de Boileau-sur-Mer. Voilà, je me pose la question quand même sur la structure de l'Europe. C'est vrai que là, en effet, c'est une très belle campagne qui s'annonce. C'est le sujet. Mais malgré tout, il ne faut-il pas se battre aussi sur ce que tu viens de dire, c'est-à-dire la structuration de l'Europe en elle-même, abattre refaire les traités européens. Et ne serait-ce que la liste européenne suivante, donc dans 6 ans, c'est ça ? Eh bien, se battre pour avoir peut-être une autre forme de liste, beaucoup plus, comment dire, internationale, plus européenne, plutôt que d'avoir une liste franco-française, une liste belge-belge, etc. Chacun se défendant pour sa nation. Alors qu'on sait très bien que les structures qui en profitent le plus, ce sont les multinationales. Donc il faudrait quelque chose de beaucoup plus international, il me semble. Est-ce que vous envisagez quelque chose dans ce sens-là, par exemple d'avoir une liste avec différentes nationalités qui permettrait donc d'avoir par exemple des Belges qui se préoccupent par exemple des affaires bretonnes, ça pourrait paraître aberrant de tout, quoi. Et réciproquement, nous les Français aussi, qu'on aille se préoccuper de ce qui se passe en Pologne et ailleurs, ça nous permettrait peut-être d'avoir quelque chose de plus humain, de plus. Voilà, et justement, donc, ce pourquoi vous voulez, nous voulons nous battre. Voilà. Pourquoi je disais vous ? C'est parce qu'en fait, justement, j'ai participé, je pense, petitement, donc, au mouvement à nous. J'évolue aussi. Voilà. En tout cas, je suis quelqu'un de gauche. Je suis en train de battre je pense que, de toute façon, il ne faut pas se diviser. C'est vraiment stupide. Il faut vraiment se battre pour la gauche. Je ne sais pas quelle dimension elle a en Europe, mais je crois que, malheureusement, ce n'est pas facile. Nous avons beaucoup de courage. Nous avons beaucoup de courage. Donc, battons-nous. Merci. Ok,
qu'il y a d'autres demandes d'intervention. Là-bas, il y a une demande d'intervention. José. Oui, excusez-moi les camarades, parce que certains vont peut-être trouver drôle et vont penser que mon intervention tombe comme un cheveu sur la soupe. Mais vous allez être d'accord avec moi. Si, si, vous allez être d'accord avec moi. Il n'y a sans doute pas que des communistes dans la salle, mais on est un certain nombre de militants communistes. Et vous avez donc aperçu ces 10 derniers jours la situation dans laquelle on se trouve avec l'humanité. Et je dis qu'il n'est pas possible de réunir autant de camarades, de réunir les camarades. À chaque fois qu'on réunit les camarades maintenant, il faut absolument mettre ça en avant. Et alors, bon, j'ai été un peu vexé parce que Ismaël, pour ceux qui ont reçu un papier là, de la fédération en disant un vétéran, je ne savais pas que j'étais si vieux, quoi. C'est pas moi qui mis ce commentaire, je crois. Je savais pas que j'étais. Non, mais je ne savais pas que j'étais si vieux, mais c'est vrai que quand j'ai entendu ça, je me suis dit, c'est pas possible. Et là, on rejoint la bataille des européennes, parce que sans l'humain, on ne l'amènera pas. Je crois que tout le monde est d'accord. Et donc, je veux dire que j'ai pas été très habile dans ce que j'ai dit, parce que parmi, je semblais dire que les camarades pouvaient verser, parce que moi je versais, etc. C'est vrai qu'il y a des camarades qui ne payent, qui sont pas imposés sur le revenu, pour eux c'est plus dur. Mais nous avons, ceux qui payent les impôts, ont une réduction de l'impôt, c'est-à-dire qu'on repique à Macron. Donc, eh ben oui, les choses elles sont ainsi. Mais vivre sans l'humain, c'est pas possible. Et je le dis pour que tous les camarades se posent la question. Et moi, personnellement, bon, je l'ai dit dans mon texte, j'ai décidé, au lieu de donner 100 euros à l'humain, en plus de mes cotisations, etc., et du secours pop et tout, eh bien, à partir de ce mois-ci, je verse 100 euros à l'humain, mais tous les mois. Et ça, c'est bravo, possible. Bravo, 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 bravo. Je précise juste un mot, les camarades. C'est que j'ai fait le calcul, ça me fait verser 1200 euros par mois. Mais payer un mois. Vous verrez quand vous aurez mon âge. C'est le milliardaire rouge. Mais seulement quand on récupère 66%, ça veut dire que ça me coûtera que 408 euros. Et bien, en plus de mes cotisations, en plus d'être abonné à l'UMA, je pense que personnellement je peux le faire et peut-être que d'autres camarades peuvent y penser aussi. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Il y a Jean-Paul derrière qui tend des feuilles par rapport à l'UMA justement. Oui, je voulais te dire, je sais. Mais ça veut dire que quand on est vieux, ça veut dire qu'on est resté jeune plus longtemps que les autres. Maintenant, c'est pas une question que je voulais poser, c'était une information. Parce que je pense que dans cette salle, il y a des participants de la soirée ici qui ne sont pas au courant. La semaine dernière, j'étais agréablement surpris d'apprendre que le Parti communiste était redevenu le premier parti de France. Alors, pour que ceux qui peut-être se disent que bon, ça doit être faux, peut-être que quelqu'un pourrait expliquer la chose. On m'entend ? Oui. Donc, je m'excuse au fait, José, d'avoir été vétéran, mais je crois qu'au partir, on est vétéran à partir de 40 ans de cotisation. Je crois qu'il est là. Donc, tout comme moi d'ailleurs. Alors, pour l'humain,
ce que je propose aussi, c'est de faire connaître, notamment à des jeunes, qui n'ont pas forcément de gros moyens. Donc, on propose un abonnement de parrainage, donc à 27 euros, de l'humain dimanche et de l'humain du vendredi, l'humain des débats. Donc, c'est aussi un moyen de faire gagner des lecteurs pour que l'humain soit sauvé aussi durablement. Parce que quand beaucoup de gens ont des préventions contre l'humain, en découvrant, ils sont très très intéressés. Ce qui n'empêche pas aussi de participer à la souscription pour ceux qui le peuvent. Et autrement, il y a des humains spéciaux là. Je vous invite aussi à les acheter. C'est Jean-Paul. On va prendre deux, trois interventions. Pour le Parti communiste, premier parti de France, c'est des chiffres officiels qui viennent de la Commission nationale des comptes de campagne et des comptes de partis politiques et qui nous placent devant le PS, les Républicains et le Rassemblement national qui a deux fois moins d'adhérents en termes de volume de cotisations reversées. Et donc le Parti communiste est redevenu le premier parti de France en termes de militants et d'adhérents, sauf qu'on n'a pas la visibilité médiatique, évidemment, ça devrait nous donner. Merci. Je voudrais rebondir sur la rencontre ce soir avec les camarades de la métallurgie, notamment de la TCL. Je pense qu'il y a une réflexion depuis quelques années sur la déconstruction navale. On a vu, c'était le morceau, je pense, qui a fait trois fois le tour du monde, pour atterrir en Inde, je crois, pour être déconstruit par les enfants. C'est une question, je crois, qu'on peut porter d'un point de vue national et régional, puisqu'on est la façade maritime, une démarche écologique. Déconstruction navale, c'est... Il y a trois points à mettre en place, c'est la déconstruction et transformer l'acier sur place. On a en Bretagne une acierie, il y a eu plusieurs qui ont fermé, mais notamment dans les Côtes d'Armor à Saint-Brieuc, il y a Manoir Industrie avec des fours électriques qui est complètement en fin de course. Mais si on avait une ambition moderne d'avoir des fours électriques sur l'espace Bretagne, notamment ailleurs ça peut se faire aussi, mais déconstruction, transformation de l'acier, la question de porter l'acier des fours électriques, déconstruction, ça veut dire de l'énergie aussi. Ça pose la question de avec quelle énergie, quand on sait que la Bretagne est déficitaire en production énergétique, c'est tout ce débat-là. Mais si on a une ambition de réindustrialiser la France, et si on le porte d'un point de vue national, mais notamment en Bretagne, parce que si on ne le fait pas, on laisse ça aux autres, on va péricliter, puisque ça ne suffit pas, on a l'agriculture, on a la pêche, mais si on veut porter une ambition écologique et industrielle, c'est un point d'ancrage. Il y a encore des savoir-faire, il faut mettre tout le monde autour de la table, mais déjà porter le projet, tout de suite le porter et travailler après pour la construction. Voilà ce que je voulais dire suite au débat qui a été porté, puisqu'il y a des travaux qui ont été faits. Oui, bonsoir. Moi, je souhaiterais parler des services publics. Je suis, comme Marie-Glaine, je fais partie du comité de défense des usagers de l'hôpital public à Morlaix. Malheureusement, nous avons le service de cardiologie qui a été fermé. Alors, la réouverture semblerait être à l'horizon, mais l'horizon va dire que c'est une ligne qui recule. Plus on avance, plus elle recule. Donc, voilà. Oui, hier j'ai assisté à un débat à Saint-Brieuc avec des collègues communistes avec un économiste, Denis Durand, qui est également parti. Hein. Donc on parlait du coût de l'EHPAD pour une personne et ce que pouvait
ce qui pouvait y arriver à une famille lorsque la personne qui est mise en EHPAD ne peut pas subvenir à ses besoins. Si elle a un peu de bien, on va lui demander de vendre ce bien-là. Si elle n'en a pas, évidemment, ce sont les enfants qui vont venir régler ce qui lui manque. Mais en sachant que ces enfants-là ont peut-être, à l'heure d'aujourd'hui, des enfants qui sont au chômage. Donc, ils se retrouvent avec deux générations, responsables de deux générations. On va demander à ces enfants-là de faire un choix. Voilà ce que Macron est en train de nous inciter à faire. Et au niveau des services publics, c'est exactement la même chose. Vous préférez garder votre hôpital ou vous préférez garder votre bureau de poste? Vous préférez garder votre perception rurale de proximité ou est-ce que vous préférez voir la garderie déplacée à 50 km à la ronde au niveau des communes rurales? Alors moi, c'est tous ces services publics de proximité. Il faut absolument se battre pour les maintenir. Parce que si on laisse partir les groupements hospitaliers tels que c'est parti, on va avoir une désertification non seulement des médecins généralistes, mais on va avoir une désertification des services de public hospitaliers qui va être dramatique. Et on va retrouver du personnel qui actuellement est en souffrance, mais qui vont devoir faire 60 km pour aller à leur travail et 60 km de retour. Leur salaire ne sera pas augmenté. Alors il faut aussi que, je pense que nos députés européens se battent sur tous ces services publics, qui soient, c'est aussi bien pour les autres pays, parce qu'à un moment donné, en France, on manquait d'infirmières, parce qu'on avait... Il y avait un numerus clausus qui avait été mis en place. Donc, ils ont embauché des infirmières d'Espagne pour venir travailler en France. Entre-temps, il y a des infirmières qui sont sorties et, en fait, elles n'avaient pas de travail parce que les infirmières espagnoles, hein, on ne pouvait pas les remettre à la porte, mais enfin, on ne va pas continuer à jouer au ping-pong avec l'être humain. L'humain d'abord. Je crois qu'on va laisser conclure nos candidats aux européennes, à moins qu'il y ait une dernière question. Voilà, Monique. Bonsoir. Moi, je voulais parler d'un sujet qu'on n'a pas encore parlé. Je suis du Lacarion, je suis communiste. Une question dont on n'a pas parlé, c'est la paix. Et au départ, l'Union européenne, c'était l'idéal sur lequel c'était construit. On sait aussi qu'en tant que communiste, le capitalisme porte en lui la guerre comme la nuée porte l'orage. Je n'oublie pas que Brest est une ville militaire, avec de nombreux militaires, j'en ai de très proches dans la famille. Et je sais aussi l'idée qui court. Et aussi dans les capitales européennes, d'une armée européenne. J'aimerais bien vous entendre sur ce sujet-là aussi. D'autant que je ne sais pas très bien ce qui s'est passé entre l'Allemagne et la France. Je n'ai pas très bien compris ces signatures. J'ai entendu dire que l'Allemagne aimerait bien se mettre sous le bouclier nucléaire français. Tout ça, c'est très inquiétant. Et que, si vous pouviez dire un petit mot sur la paix, c'est intéressant. Merci. Ce qui a été dit, c'était essentiellement des interventions. Je te laisserai répondre pour madame sur l'armement.
C'est essentiellement des interventions de témoignages en fait, de ce qui se passe, et ça rejoint ce que l'on a dit tout à l'heure. Il faut vraiment casser ce système de l'Europe capitaliste où c'est la finance qui est au cœur des enjeux et non pas l'humain. Et donc c'est tout le travail qu'on est en train de mener. Et effectivement, on parle des services hospitaliers, des personnes âgées. L'enjeu du maintien à domicile est aussi un enjeu. Et tout ça se traduit, c'est ce que je vous disais tout à l'heure de manière très pyramidale en fait. Hein. C'est l'accompagnement à domicile. C'est dans le département des Côtes-d'Armor, ça commence à bouger. Au niveau des salariés, mais il est temps qu'ils bougent et qu'ils n'aient pas peur de réagir, parce que c'est scandaleux la façon, dans les conditions dans lesquelles ils travaillent. C'est scandaleux. Moi, j'ai fait ce métier-là. J'ai été aide à domicile, mais à mon époque, et je suis pas jeune, mais je suis vétérante. J'ai 40 ans. T'as pas 40 ans, c'est parti. Mais moi, je suis vétérante en course à pied. T'es communiste. C'était pour rassurer un petit peu. Et j'ai été aide à domicile quand je pratiquais la profession. On avait le temps d'être chez les gens, on avait tant de personnes à aller voir dans la journée. On savait qu'on devait aller voir le matin à l'heure du réveil, le midi à l'heure du repas, entre temps pour faire le ménage, enfin. Mais il y avait le temps. On n'était pas payé à la minute. On avait une heure et demie d'intervention. Et on pouvait discuter, passer un peu plus de temps chez une personne qui en avait besoin, et puis un peu moins de temps chez l'autre qui, ce jour-là, ça allait mieux. Donc et c'était comme ça que la journée s'articulait. Aujourd'hui, les personnes qui interviennent à domicile, c'est chronométré, c'est scandaleux. C'est scandaleux. Et donc, effectivement, c'est un combat à mener. Et c'est un combat à amener à tous les échelons de la démocratie. Le département a sa part de responsabilité, l'État a sa part de responsabilité, et puis l'Europe aussi, parce qu'il y a toujours cette sacro-sainte règle des 3% de déficit du PIB à ne pas dépasser. Donc, oui, s'il y a alliance, ça peut être que sur cette condition-là, parce qu'on se bat contre ça depuis toujours, et on ne fera aucune concession là-dessus. Pourquoi je parle d'alliance aussi tout à l'heure? Parce que on a, nous militants, oui, on va tous voter communistes, oui, mais ce qu'on doit aller chercher, ce sont ceux qui ne sont pas communistes. C'est eux qu'il faut aller chercher. Et ceux qui ne votent pas. Et pourquoi ils ne votent pas? Eh bien parce qu'ils en ont marre de ces logiques d'appareil. Donc on doit leur dire que nous, on n'est pas contre une entente, mais avec une règle stricte, on renverse l'Europe du capital. On met fin aux traités libéraux, parce que c'est ça qui nous pourrit la vie aujourd'hui. Donc il faut arrêter. Et si les autres veulent pas, eh ben, on a notre liste qui est merveilleuse, qui est la plus belle, qui est la meilleure. Parce que Glenn est dessus. Et on gagnera. Et on gagnera, et on fera élire le plus grand nombre possible d'élus communistes, et on se battra encore plus fort sur le terrain. Donc voilà, il faut continuer le combat. Tu veux conclure tout de suite? Parce que j'avais un petit cadeau à te faire avant de te passer la parole. Elle veut remonter dans la liste, c'est pour ça. Parce qu'il y a un sujet dont on n'a pas parlé, c'est la culture et la langue bretonne, qui est aussi un enjeu de l'Europe. La charte européenne des langues régionales, eh bien, c'est aussi un enjeu. Et donc, voilà, je t'offre Historbion Karl Marx. Voilà. C'est donc un camarade qui te le remet. Certains le connaissent peut-être, c'est Gaël Roblin, voilà, que j'ai vu ce matin et qui tenait à ce que tu aies ce livre. Je te ferai la traduction parce qu'il me l'a traduit. J'ai repéré les pages. Alors mes enfants sont tous les quatre en classe bilingue, mais je ne parle pas le breton, mais je sais le lire. Donc. Bon, c'est super. Merci beaucoup. Hein. Bon, c'est pas facile de reprendre la parole après Cinderella et après ce très beau cadeau. Je voulais revenir quand même, pour ne pas donner l'impression de me dérober, sur deux sujets, la question des services publics et la question de la paix. D'abord,
Il y a une chose qui vraiment me marque au bout de ces quelques mois de campagne. Il n'y a pas une seule ville où on ne me parle pas de la question des hôpitaux et où on n'a pas des mobilisations à la fois de patients et de soignants sur l'enjeu de l'hôpital public. Et cette question est devenue un sujet de préoccupation majeur, mais vraiment partout. J'étais vendredi dernier à Béthune, même problème. J'étais quelques semaines avant à Douai, même question. Partout, on voit monter cette préoccupation autour de l'hôpital public. J'étais à Saint-Junien, dans le Limousin, même question. Et y compris chez moi à Paris, dans mon arrondissement, disparition de deux hôpitaux publics, on va fusionner pour en faire un seul avec 500 lits qui vont disparaître. Partout, cette question de l'hôpital public monte. Et je voudrais quand même le dire, derrière, il y a bien des logiques qui sont des logiques d'austérité. Et cette fameuse règle folle des 3% qui nous impose la baisse du déficit public, donc la baisse des dépenses publiques, concrètement, ça se traduit notamment par la disparition de nos hôpitaux de proximité. Ben ça, je ne sais pas si vous avez lu le fameux questionnaire que Emmanuel Macron a réalisé pour lancer son grand débat, mais il y a une question que j'ai trouvée quand même assez extraordinaire. Parmi les questions, il dit « Quel service public faut-il réduire ?» Alors c'est marrant parce que je tiens une permanence d'élu toutes les semaines, j'ai fait une cinquantaine de déplacements dans le cadre de la campagne, j'ai jamais vu, mais alors jamais, un habitant venir me voir pour me dire « je voudrais fermer tel service public ». Mais alors vraiment, jamais. Donc s'il y en a qui pensent ça, j'aimerais bien qu'on me le présente. Alors il y a peut-être quelques illuminés, comme celles qu'on voit souvent à la télé, là, Agnès Verdier-Molinier qui dirige un think tank qui pense ça. Mais enfin, des gens normaux qui pensent ça et qui ne sont pas complètement, déformés par la propagande libérale, je n'en ai pas vu beaucoup. Hein. Et donc non, je pense qu'il faut évidemment faire de cette question du service public, notamment le service public de santé. Mais la question du service public, c'est un enjeu majeur. Et donc, défendre le service public, ça suppose de rompre avec ces logiques d'austérité folles qui nous conduisent dans le mur. Deuxièmement, tu évoquais la question de la paix. Bien sûr, l'Europe, c'était la promesse de la paix. Or, aujourd'hui, l'Europe, c'est deux choses. C'est d'abord la guerre économique. On évoquait la question des logiques de mise en concurrence à l'intérieur de l'Europe et à l'intérieur des citoyens européens. La semaine dernière, dans le Pas-de-Calais, je discutais avec des salariés qui fabriquent des pneus. Leur patron leur a dit la chose suivante, soit vous acceptez de travailler 12 jours supplémentaires par an sans aucune espèce d'augmentation de salaire, soit on délocalise dans les pays d'Europe de l'Est. Et donc tant que l'Europe c'est ça, l'Europe ça n'est pas la paix. Parce que ce que ça provoque en réaction, c'est la haine entre les peuples d'Europe. Et ça n'est pas un hasard si c'est sur fond de guerre économique que le nationalisme monte partout au sein de l'Union européenne. Et le nationalisme, c'est la guerre. Et par ailleurs, aujourd'hui, il y a deux budgets qui montent dans le budget de l'Union européenne. Deux budgets. Le premier budget, ce sont les dépenses militaires. Et le deuxième, c'est Frontex. C'est-à-dire les frontières extérieures de l'Europe visant à empêcher les réfugiés d'atteindre nos côtes. C'est quand même une drôle d'ambition pour l'Europe. Et je pense que quand on poursuit l'objectif d'une Europe de la paix, on ne commence pas par augmenter ses dépenses militaires. Et donc, bien sûr, que nous ne sommes pas favorables à cette Europe de la défense telle qu'elle est conçue aujourd'hui, a fortiori sous la coupe de l'OTAN, puisque c'est ça la réalité, et donc que nous défendons véritablement une Europe de la paix. Mais une Europe de la paix, c'est une Europe qui est affranchie de l'OTAN et qui ne passe pas son temps à augmenter ses dépenses militaires. Quelques mots pour conclure, puisque j'ai compris que c'était la dernière intervention. D'abord, pour vous remercier très chaleureusement, Cinderella, pour ton cadeau et l'ensemble des camarades pour l'organisation de cette réunion publique. J'aurai l'occasion de revenir en Bretagne pour la campagne et vous dire vraiment à quel point ce sera une bataille qui mérite d'être menée.
une bataille de tous les instants et vous dire vraiment que ça vaut le coup de la mener et que je suis convaincu que nous pouvons faire de très belles choses et que nous pouvons surprendre le 26 mai prochain. Donc une très très belle campagne à tous et un grand merci.